vie vivra. Car c'est la parole qui sort de ma bouche. Je contrôle ma bouche pour la vie. Tu verras la grâce de Dieu. Tu ne seras pas détruit. Je déclare que toi, tu entreras en possession de ce que Dieu a mis devant toi. L'Éternel fera de toi une colonne de feu. La mort n'aura pas effet sur toi. La victoire de Dieu va s'opérer devant les sorciers. Toute parole négative qui viendra affecter votre vie n'aura aucun effet. Ça, c'est ma bouche qui parle. Parce que la Bible me dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Mais j'exploite, au lieu d'exploiter la mort, nous sommes dans les camps de la vie. Je dois exploiter la vie. Ce peuple de Dieu, si nous allons utiliser notre bouche, l'ennemi peut nous séduire. On a appris que les brebis connaissent la voix de l'Éternel. L'ennemi peut nous séduire, utiliser notre bouche pour des choses dont la vie n'existe pas. Ne parlez pas à la mort. La Bible me dit, laissez des morts enterrer leurs morts. Nous sommes dans les camps de la vie. Ne s'occupez pas des choses de la mort. Parlez plutôt des choses de la vie. Si la vie est en toi, bien que Dieu a mis devant toi la vie et la mort, et au pouvoir de la langue, c'est à toi de faire un choix. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'homme a toujours besoin des conseils de son Créateur. Quel conseil Dieu nous donne? Quel? Parce que c'est la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Nous allons lire dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30 verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. L'Éternel parle. Il dit, je mets à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais l'Éternel te donne un bon conseil. Choisissez la vie. Si la mort et la vie est au pouvoir de la langue, mais l'Éternel nous a donné un bon conseil, l'Éternel t'a donné un bon conseil. Choisissez la vie, afin que tu vives longtemps. Toi et ta postérité. Choisissez la vie. La bouche, notre bouche, notre langue, doivent être exploitées rien que pour la vie. Non pas pour la mort. C'est le choix et c'est le conseil de notre Dieu. Il nous dit, choisissez la vie. Mes frères et mes sœurs, l'ennemi peut te chercher à prononcer des choses qui est liées à la mort. Comprenez que j'ai reçu la parole de Dieu. Je ne peux pas entrer dans ce piège de l'ennemi pour parler de la mort. Je suis appelé. On m'a donné un choix. L'Éternel m'a conseillé. Je suis pour la vie. Donc c'est-à-dire, ma bouche, ma parole, mes lèvres ne seront pas pour la mort, mais mes lèvres seront pour la victoire. Alléluia. Amen. Mes lèvres seront pour la victoire. Mes lèvres seront pour la vie. Donc c'est-à-dire, il faut penser à quelque chose. La Bible m'apprend dans Proverbes chapitre 13, verset 3. La Bible dit, celui qui préserve, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Peuple de Dieu, tu n'as pas besoin de se justifier, de parler, d'expliquer. S'il faut parler, veillez à ta bouche. Parce que l'ennemi peut te séduire à travers tes paroles. C'est lui qui a dit. Chez nous, on dit à l'obaki. La Bible nous parle ici. Veille sur ta bouche. Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Écoutez, l'ennemi peut entrer dans ta vie, peut opérer dans la vie d'une personne parce que tu n'as pas veillé à tes paroles. Tes paroles sont tellement de la mort. Il n'y a pas la vie dedans. L'ennemi peut profiter derrière ses paroles pour te détruire. C'est pour cela que la Bible nous enseigne, veillez, préservez nos lèvres, préservez nos bouches, afin que nous protégions notre âme. Quand l'ennemi opère, beaucoup de fois, on a rencontré des cas de délivrance. Quand on pose à l'esprit, comment est-il entré dans cette corps,
On dit que c'est sa mère qui m'a légué. Sa mère dit, je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie. Je n'ai jamais rien, même visité les féticheurs. Donc, ça dit, il a déclenché des paroles négatives. Des paroles de la mort dans la vie de son enfant par laquelle l'ennemi a profité pour entrer. Mais la Bible nous parle. La Bible nous dit de veiller. De veiller. Celui qui veille, sur sa bouche, préserve son âme. Celui qui, un enfant de Dieu qui est enseigné, doit penser à préserver sa bouche pour que l'ennemi ne puisse pas utiliser ses portes pour l'amener dans des choses qui peuvent détruire sa vie. On a vu à plusieurs reprises certains genres de citations et on doit savoir que nous faisons partie de cette partie, de cette foule de la vie. Alléluia. Amen. Quand je parle de cette foule de la vie, je sais que tu ne comprends pas, mais tu sauras comprendre aujourd'hui de quelle foule nous sommes. Comprenez que nous sommes appelés dans la vie. Préservez notre bouche. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Des paroles, des déclarations, des paroles que nous sommes en train, que l'ennemi sont en train de chercher. Les groupes de la mort sont en train de chercher de nous amener. Cela n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, que tu t'attaches à lui, que tu comprennes sa parole pour que la vie de Dieu opère en toi. Amen. Nous allons prendre le temps. Nous parler, discuter, mais cela ne donne pas la vie. Nous sommes dans le camp de la vie. Donc si nous sommes dans le camp de la vie, le plus important que nous devons exploiter, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a appris le dimanche passé que mes brebis connaissent ma voix. Il me connaît. Donc c'est-à-dire, si vous entendez des choses, des paroles qui sortent de la bouche, une puissance négative existe aussi. Cela ne veut pas dire si la puissance de Dieu existe, il n'y a pas la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi existe. La Bible dit, préservez ton âme en gardant, en veillant sur tes lèvres. Ne fais pas sortir des paroles que tu ne maîtrises pas. Si tu trouves que tu n'as rien à dire, gardez silence. L'Éternel même dit, il nous conseille de garder silence car l'Éternel combattra pour vous. Vous croyez, vous voulez réussir à travers votre bouche, à travers vos paroles. Vous n'avez pas besoin. L'Éternel te donne un bon conseil. Il dit, gardez silence, j'ai combattu pour toi. Donc si l'Éternel va combattre pour toi, pourquoi toi tu vas te justifier? Parce que l'Éternel combat à ta place. Pourquoi toi tu vas parler? Veille à ta bouche. Parce que ça va préserver ton âme. N'entrez pas dans des choses de la mort, des paroles de la mort, des paroles. Ça va troubler ta foi. Ça t'aide pas à avancer. Ça t'aide pas à recevoir ce que Dieu a mis devant toi. Mais plutôt, ça t'amène vers la destruction. La Bible dit, Dieu a donné son fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai dit, toi tu fais partie de la vie. Tu es des foules de la vie. La vie t'appartient. Tu es destiné pour la vie. On a appris la fois dernière. On a utilisé la parole pour séduire Jésus, mais il a résisté. La Bible me dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Exercez la puissance de la parole. Comment nous pouvons exercer cette puissance de la parole? Et cette puissance de la parole, nous pouvons l'exercer seulement à travers la prière. La prière. Exploitez la prière. Entrons dans la prière, cherchez Dieu par la prière, afin que Dieu puisse nous répondre, afin que Dieu puisse se manifester parmi nous pour sa gloire. Alléluia. Nous allons revenir dans la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire le verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera à justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ici c'est la parole de Dieu qui dit. Toute parole, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Pourquoi tu veux faire justice? Pourquoi tu veux parler?
La Bible dit ici, l'Éternel donne une promesse. Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice sera condamnée. Comment tu peux exploiter tes paroles pour faire justice? Laissez à l'Éternel, parce que c'était une promesse. Si l'ennemi va préparer quelque chose à te détruire, tu seras protégé par Dieu. Alléluia. Tu seras protégé par Dieu. C'est tel est l'héritage est réservé pour les salis. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes avec Dieu, nous marchons, nous sommes avec Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de se justifier. Dans notre bouche, il n'y a qu'une chose qui doit sortir, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui doit sortir dans notre bouche, c'est la vie. Parce que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Nous, Dieu nous a appelés pour communiquer la vie. Dieu nous a appelés pour transmettre la vie. Transmettez la vie. Transmettez la vie. Communiquez la vie. Si vous avez quelque chose, regardez, essayez un peu de se rendre compte. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est dans la joie, comment vous allez se sentir? Vous trouvez quelqu'un, ta copine, ton ami, vous êtes ensemble, il est dans la joie. Elle te reçoit chez toi. Comment toi tu vas se sentir? Donc tu seras affecté dans cette joie-là. Donc c'est-à-dire, c'est ce que nous sommes. Si la parole de Dieu est à nous, c'est à nous d'affecter des gens. Donc ça dit, si nous avons compris que la parole, dans notre bouche, il n'y a que la parole de la vie qui doit sortir. Donc ça dit, si quelqu'un de la mort, même s'il a la mort, nous n'allons pas le juger, nous n'allons pas le condamner, nous allons prouver notre amour, nous allons dire, nous faisons partie de la vie. Nous, ce qui vit à nous, c'est la vie. Nous n'avons pas besoin de parler des choses. Vous savez, une personne bien accueillie peut changer les choses. Écoutez, j'ai vu Marie recevoir une autre femme qui était enceinte. La grâce qui était en elle, dans Marie, la grâce, la vie qui était en elle. La Bible dit, lorsqu'elle a reçu Marthe, Marthe a senti dans son ventre, même l'enfant qui était dans son ventre a bougé. Je parle de la puissance de la parole. La parole qui est en toi, la parole qui habite en toi, fait bouger la vie d'une autre personne. Jésus qui est en toi peut bouger la vie d'autres personnes. Jésus qui opère en toi peut bouger la vie d'autres personnes. La parole que nous sommes en train de parler, ce n'est pas des langages terrestres qu'on utilise. La parole qui vit en toi. Parce que Dieu a déjà décidé de ne plus habiter par les maisons conçues par les hommes. Où est Dieu? Où habite Jésus? La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est en toi. C'est-à-dire, cette rencontre. Donc, tu dois rencontrer avec d'autres personnes. Tu dois affecter d'autres personnes. Si vous avez la parole qui n'a pas la vie, la parole qui est dans mon ventre, la parole qui vit dans mon âme, la parole qui vit en moi, va te donner la joie. On peut communiquer quelque chose que tu as. Si tu as la mort, tu ne donneras que la mort. Mais si tu as la vie, tu donneras la vie. Si tu as la vie, la vie va affecter d'autres personnes. La vie va toucher d'autres personnes. D'autres personnes vont sentir la vie en toi. Ils ne vont pas chercher la vie, mais lorsqu'ils vont toucher, ils vont sentir que la vie est là. La vie est vie là. La vie demeure là. Ce n'est pas la mort qui est là, mais c'est la vie. C'est le plus important à comprendre de la foi. La Bible nous prend à leur rencontre. Tellement l'enfant a bougé. De femme, vous avez porté des enfants. L'enfant bouge toujours. Mais si Marthe a parlé, parce que la manière dont l'enfant a bougé ce jour-là, c'était différent. Écoutez-moi très bien. La parole fait bouger toujours. La parole fait pleurer toujours. Mais je parle d'une parole qui sera différente de notre parole. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se ressembler aux paroles des hommes. Parce que la parole de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si la parole de la vie est sur toi, celui qui a la mort, tu lui apprends la vie. Celui qui est malade, tu lui diras sois guéri. Celui qui a des problèmes, tu diras que Jésus est ton problème. Celui qui a des difficultés, tu lui diras la solution, c'est Jésus.